Merci de rester fidèle au programme de Go Entrepreneur. Tout de suite, nouvelle masterclass. On va aborder un sujet extrêmement important. On va voir comment développer son activité sur Internet. Pourquoi ? Comment ? Vous le savez, c'est un sujet incontournable dans notre société. Une société, on le sait, qui se numérise, où les usages et les comportements changent. Les consommateurs multiplient leurs achats en ligne. Les professionnels, les entreprises se transforment. Et donc, booster son activité sur Internet devient un élément clé dans la stratégie de développement d'un projet d'entreprise. La société change, il faut pouvoir être accompagné dans ce changement. Eh bien, avec IZ e-commerce, la Caisse d'Épargne accompagne ses clients dans la transformation de leur canal de vente via des partenaires experts, Trenta Axome, par exemple, qui apporte ses conseils en solution de création de sites e-commerce clés en main et s'appuie sur Shopify, leader mondial reconnu pour sa puissance pour se développer en ligne. Nos intervenantes et intervenants sont là et on les remercie. Bonjour à tous. Bonjour Lara Roquem, vous êtes Partnership Lead France pour Shopify. Avec nous également Marc Bonnemain, bonjour. Bonjour. Directeur du marché des professionnels de la Caisse d'Épargne, BPC. On a également avec nous Xavier Poitot, président de Trenta Axome. Bonjour. Et notre maître de cérémonie qui va animer ces échanges, on le remercie, c'est Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Bonjour Olivier. C'est à vous messieurs et dames. Alors, merci beaucoup de participer effectivement à cette masterclass. Juste pour vous expliquer, chers internautes, voilà, ça va durer 45 minutes. Les 30 à 35 premières minutes, nous allons échanger sur le thème de ce jour qui concerne effectivement le développement de son activité sur Internet. Et puis tout l'intérêt de cet événement, vous le savez, c'est qu'il est interactif. Vous allez pouvoir poser vos questions en direct grâce au chat et nos intervenants, nos experts vont vous répondre en direct à vos questions. Alors pour commencer, je me tourne vers Marc Bonnemain. Marc, pourquoi le réseau des caisses d'épargne s'intéresse-t-il au commerce en ligne ? Bah écoutez, c'est pour nous une certaine évidence, hein, quand on analyse un peu le marché des entreprises et des professionnels en France. Juste trois chiffres, moi, qui m'interpellent toujours. On a 64% à peu près des professionnels qui aujourd'hui sont présents sur les réseaux. Et quand on analyse un peu leur présence, il n'y en a que la moitié qui ont un site internet. Et quand on analyse un peu ce qu'ils font sur leur site internet, on en a moins de 10% qui font du commerce réellement avec une possibilité d'encaisser des paiements. Donc ça, c'est une première réalité de notre situation en France. Et nous, en tant que banquiers, ben on analyse un petit peu les évolutions sociétales et les comportements des consommateurs, puisque notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leur capacité à développer leur business. Et le e-commerce, on le voit, et la crise sanitaire l'a vraiment amplifié, c'est un deuxième commerce finalement. On a tendance à parler des commerces de proximité, avec les vitrines qu'on connaît dans lesquelles on rentre, et puis on parlait des pure players qui eux étaient que du virtuel. Puis on se rend compte que la crise sanitaire finalement elle est venue mettre une dépendance, je vais vraiment le dire ce mot-là, interdépendance entre ma capacité à être présent en proximité et ma capacité à être présent également sur le net, parce que quand je suis fermé, eh bien, il faut que mon activité continue. Donc notre intérêt, elle était de se dire, eh bien, comment je fais aujourd'hui pour accompagner ce mouvement sociétal et accompagner nos clients à se développer et à continuer à faire leur business. Alors, on a été analysé un peu, là, on a eu des chiffres très récents de la FEVAD du mois de mai, pour dire, ça s'est passé comment ? Quels ont été les impacts finalement de la crise sanitaire ? Sur le premier trimestre, c'est 30 milliards hein, en termes de chiffre d'affaires qui ont été générés. Et sur une année, c'est un petit peu moins de 500 milliards d'euros qui ont été générés au titre de l'année en cours. C'est quand même une progression de 18%. Et puis si on prend uniquement le mois d'avril 2021, qui était un mois de confinement, et que je le compare à avril 2020, qui était un autre mois de confinement l'année passée, eh bien c'est encore des progressions de 18% de l'activité du e-commerce. Donc on voit vraiment que les consommateurs se sont dirigés vers des solutions alternatives face à un commerce fermé, mais ils voulaient pour autant continuer à travailler avec. Et puis nous, quand on analyse un petit peu ces entreprises qui n'avaient pas de capacité à faire du e-commerce, le gouvernement a fortement promu cette activité-là avec le click and collect, on en a beaucoup parlé, et bien on s'est rendu compte que sur un an, on a une progression de 12% de création de sites internet, c'est plus 18 000 sites en France qui ont été créés. Donc voilà, donc pour nous, Caisse d'Épargne, et bien c'était avoir un regard sur ce qui se passe au niveau de la société, être un accompagnateur finalement de ces évolutions sociétales, et puis surtout aider nos clients à répondre à leurs problématiques de comment j'ai un business
service complémentaire à une activité présentielle. Alors, on l'a fait comment? Eh bien, on a noué un partenariat avec, pour nous, des acteurs qui étaient reconnus. Trenta Axum, dans sa capacité, effectivement, à créer et accompagner nos clients sur la création de sites Internet. Et puis, le leader mondial, Shopify, sur, finalement, l'outil qui est derrière, la machinerie qui permet de faire en sorte que, quand vous avez un site Internet, il doit être clé en main, sans couture et surtout sans problème. C'est vraiment l'un des sujets primordiaux pour nos clients. Donc voilà, c'était ça notre logique, notre démarche, c'est comment j'accompagne mes clients dans leur capacité à continuer à avoir une activité ou à développer en complément de revenus supplémentaires. Alors Xavier, Marc nous a parlé de Trenta Axum, nous a dit qu'effectivement les caisses d'épargne avaient noué un partenariat avec vous. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous présenter votre société? Bien sûr. Trenta, c'est une agence de communication de 80 personnes et une agence web qui s'appelle Axum, spécialisée dans le e-commerce depuis 2000, avec un vrai savoir-faire de la conception et de l'entretien des sites web. Et on a noué un partenariat avec la solution Shopify il y a déjà 3 ans. Et on a participé effectivement à ce projet avec la Caisse d'Épargne. Je voulais rappeler quand même que c'est un projet qui est né avant la crise du Covid. Les discussions avec la Caisse d'Épargne ont été précurseurs, on va dire, et volontairement pour rechercher une solution avant même qu'il y ait un problème sanitaire et une obligation, on va dire, de se digitaliser. Donc bien sûr, la crise a accéléré le mouvement, mais c'est des discussions qui ont eu lieu bien avant la crise. D'accord, merci beaucoup. Lara, Marc a fait également référence à Shopify. Vous avez également noué un partenariat avec les caisses d'épargne. Est-ce que vous pouvez, exactement la même chose que pour Xavier, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous présenter la plateforme? Oui, bien sûr. Donc Shopify, pour mettre dans son contexte, c'est une société de technologie canadienne qui a été créée en 2006. Nous, ce qu'on offre, c'est une solution clé en main pour toute entreprise qui souhaite se lancer en ligne. Donc on équipe aujourd'hui vraiment différents types de clients, des marques très établies comme par exemple Tanner en France ou Decathlon, des entreprises qui se lancent et qui vont se lancer uniquement sur Internet au début comme Respire par exemple, ou plus récemment on l'a vu, des commerçants indépendants comme le caviste de Ria qui ont cet enjeu d'aller en ligne pour assurer la continuité de leur activité. Donc aujourd'hui en tant que plateforme, on équipe 1,7 million de e-commerçants dans le monde et la France est un de nos marchés prioritaires. Donc concrètement, ce qu'on offre à nos clients, on fonctionne sur un modèle d'abonnement. Donc en tant que client Shopify, vous payez une redevance mensuelle en échange de quoi vous avez accès à votre compte Shopify qui vous permet de d'abord créer votre site e-commerce, le gérer au quotidien, c'est-à-dire gérer vos commandes, vos clients et ensuite gérer l'ensemble des canaux de vente sur lesquels vous pouvez être présent au-delà de votre site e-commerce. On pense aux réseaux sociaux récemment, au marketplace ou au point de vente, comme on l'a dit précédemment. Donc vraiment, Shopify, c'est cette interface unique sur laquelle, en tant que e-commerçant, vous allez pouvoir développer votre présence en ligne. La force de Shopify, c'est son côté intégré, fiable et simple d'utilisation. Dans Shopify, vous pouvez configurer toutes les briques fonctionnelles qui ont trait à votre activité en ligne. Donc on l'a dit, créer votre site e-commerce, mais aussi configurer vos paiements, votre logistique, votre marketing. Donc c'est vraiment la simplification au quotidien qui fait l'atout de Shopify. Et je finirai sur un point qui est très important pour nous, c'est vraiment l'accompagnement des entreprises qui souhaitent se lancer en ligne. Nous, en tant que Shopify, évidemment, on propose un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français à nos clients. On travaille aussi avec un gros réseau de partenaires. Et donc, Xavier a présenté son agence, des partenaires comme Xavier, qui vont être notre relais auprès de vous, entreprises qui se lancent, pour les amener à comprendre leurs besoins et à les emmener en ligne. D'accord, merci beaucoup Lara pour toutes ces explications. Marc, est-ce que pour bien qu'on comprenne en fait ce partenariat stratégique et un peu comment est-ce que ça fonctionne vraiment concrètement, Marc, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'accompagnement d'un client dans la mise en place de son activité de e-commerce ? Alors, traditionnellement, on demande, nous, à nos conseillers bancaires d'être toujours dans une situation de dialogue avec leurs clients. J'appelle même ça le dialogue stratégique. En clair, c'est s'intéresser à son client, à son business, à l'évolution qu'il a de la manière dont il va faire son business. Et la crise sanitaire, elle est venue renforcer la nécessité de poser la question, de dire, OK, vous aviez un modèle industriel avec un commerce qui était ouvert. Votre commerce est fermé. Est-ce que ce commerce est mort ? Notre sujet à nous, c'est que le commerce ne meurt pas.
Et donc, c'était de se dire comment vous projetez, comment vous allez le transformer quand vous allez réouvrir, quand on vous donnera la possibilité. Et indépendamment de quand vous allez réouvrir, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec vous pour vous permettre d'investir, justement, pour vous permettre de vous transformer. Et puis là, l'exemple que j'ai en tête, finalement, il a rien à voir avec cela. C'est une cliente, c'est le showroom de Lisette qui est venue nous voir sur un besoin simple qui est une demande de financement. Et le questionnement, finalement, de notre collaboratrice qui gère cette cliente, était de s'interroger du pourquoi de ce financement et quel en était l'objectif. Et l'objectif était, eh ben voilà, je souhaite financer la création de mon site internet. Et elle était en train de faire des démarches avec, je vais pas citer le site, mais avec un concurrent aujourd'hui de Shopify. Et derrière, en fait, la discussion elle a été de se dire, bah écoutez, vous avez donc l'intention aujourd'hui de basculer sur un mode de vente sur Internet, comment vous voulez le faire, de quelle manière vous voulez le faire. Et au final, il a découvert des besoins et il a proposé notre solution EasyCommerce, qui est une solution clé en main qui va de la création du site Internet jusqu'à la brique de paiement finale, parce que l'intérêt, c'est je crée le site, je donne la solution pour administrer mon commerce en ligne et toutes les solutions marketing, de référencement et autres. Mais surtout, à la fin, je donne la possibilité à mon client de payer en ligne. Donc c'est bien ces trois acteurs qui se retrouvent dans cette solution pour nous, EasyCommerce. Et donc, une fois qu'on s'est mis d'accord avec la cliente, et là avec les aides, elle va dire, bah voilà, est-ce que vous acceptez qu'on vous mette en relation avec nos experts ? Ce qu'elle a fait, et bien tout simplement pour nous, c'est une mise en contact directe auprès des équipes de Trenta Axome, qui se chargent en fait d'identifier le besoin, de le clarifier, et ensuite de proposer les différentes solutions avec nos partenariats. Donc en clair, pour nous, c'est j'identifie le besoin, c'est ce qui s'est passé avec Lisette, je propose une solution, je transmets le contact, on appelle ça des leads, mais c'est une transmission de contact, tout simplement, hein, ça se fait par Internet, et les équipes de Poitou de Trenta Axome prennent contact téléphoniquement, ensuite avec Lisette, pour proposer les solutions. Alors justement, Xavier, qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez appelé Lisette ? Alors, je crois qu'effectivement, c'est notre rôle aujourd'hui de prendre la main, enfin de prendre les clients de la caisse d'épargne par la main. Donc aujourd'hui, compte tenu de la situation, vous l'avez bien compris, ça se passe en visio. On a un premier rendez-vous sur lequel on va présenter les solutions, l'offre, la découverte des fonctionnalités de Shopify et bien entendu vérifier que son business est compatible, peut avoir un intérêt sur le commerce électronique. Et du coup, mes équipes vont accompagner le client sur plusieurs rendez-vous. Un premier pour découvrir l'offre, un deuxième qui va être vraiment présenter le back-office, les fonctionnalités de Shopify. Et puis après, on va agir sur l'intégration de ses contenus, de sa charte graphique, de son logo. Et comme le disait Marc, jusqu'à la mise en ligne avec la solution de paiement de la caisse d'épargne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de dire non, en fait, votre activité, elle n'est pas compatible avec Internet ? Alors, c'est pas forcément aussi ferme que ça. Par contre, on a une volonté d'être clair avec les clients et les prospects. Et c'est important aussi de rappeler l'effort qu'il y a à faire pour faire un business rentable sur le web. En fait, il y a forcément un moment, comme sur le commerce physique, où on a besoin de parler de notoriété, on a besoin de faire venir des clients. Plus on ouvre son site internet rapidement, mieux c'est. Par contre, le succès n'est pas forcément immédiat. Donc, on est obligé à un moment de rappeler qu'ouvrir un commerce électronique reste un travail important, notamment pour la mise en place de ces produits. Même si Shopify simplifie cette partie, ça reste quand même du contenu à créer, choisir ses photos, faire ses descriptions. Donc on a une obligation d'alerter le client sur l'effort qu'il va devoir fournir. Et puis effectivement, pour faire ses premières ventes, il est important d'avoir un canal d'acquisition le plus puissant possible. Aujourd'hui, c'est l'exemple justement avec le showroom de Lisette. C'est quelqu'un qui avait déjà des réseaux sociaux et qui a profité de sa notoriété sur cet espace pour amener du trafic sur son site internet. Donc on va pas être ferme en disant vous avez aucun espoir, ça ne marchera pas. Par contre, on a un devoir de leur expliquer que le succès viendra, mais avec beaucoup de temps et beaucoup d'investissement de leur part.
D'accord, parce que de toute façon, ce qu'on a bien compris, c'est qu'il ne suffit pas d'ouvrir un site, et puis c'est bon, et puis ça va venir tout seul. En fait, il y a tout un travail derrière. Oui, tout à fait. Déjà, il y a un travail de mise en place du contenu, ça c'est nécessaire. Et puis après, le succès, il vient vraiment avec le trafic. Mais exactement comme une boutique physique, si on est dans une rue passante ou pas. Et puis, on doit faire un peu de communication, un peu de bruit pour amener du monde dans sa boutique. Le commerce électronique n'a pas changé cette règle du commerce historique. Alors Lara, quand Shopify est-il intervenu ? Auprès de Lisette, hein, toujours, on va rester avec Lisette. Et comment ? Alors, Shopify a pris, je pense, le relais hein, après la mise en ligne du site sur deux aspects. Le premier, c'est que Shopify, c'est la plateforme sur laquelle, au quotidien, Lisette va se connecter pour gérer son commerce en ligne. Donc, il y a une relation au quotidien qui va se faire entre notre plateforme et Lisette. Lisette va progressivement monter en compétences sur la plateforme Shopify en découvrant son back-office, découvrant les différentes fonctionnalités qui sont disponibles pour elle pour aller développer son activité. En tant que Shopify, c'est très important pour nous d'aider justement cette montée en compétences de nos clients. Donc on a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Notre centre d'aide, notre blog Shopify, notre service client évidemment qui est à l'écoute de Lisette. Des forums de communauté où Lisette peut aller et poser des questions à des e-commerçants comme elle. Donc il y a tout un tas ensuite de canaux Shopify d'informations que Lisette va pouvoir aller consulter pour apprendre le métier du e-commerce. Parce que comme on vient de le dire, c'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprécie. Il y a probablement beaucoup de tests que Lisette va devoir faire pour comprendre comment gérer ses réseaux sociaux, quelle est la meilleure, par exemple, campagne d'email marketing pour aller activer sa base de clients. Vous voyez, toutes ces choses qui vont faire la qualité de son expérience client, elle va devoir l'apprendre et Shopify lui propose de simplifier cet apprentissage. Ça a mis combien de temps, en fait, entre le moment, en fait, je vous tourne pour vous deux, entre le moment où Lisette, plutôt vous avez appelé Lisette, et puis le moment, Lara, où elle a mis en ligne son site. Il s'est passé combien de temps en tout ? Je pense que je peux répondre, parce qu'effectivement, nous, on est en amont de Shopify. Hein, c'est nous qui gérons, on va dire, la gestion de projet. En fait, le temps dans un projet e-commerce, il va dépendre énormément du contenu. Pourquoi ? Parce que la Caisse d'Épargne a voulu une offre très rapide à mettre en place. Donc, si on parle de temps technique, de mise en place technique, on va dire en une semaine, on peut monter un site Shopify. Et en fait, ce qui va prendre du temps, c'est justement la préparation du contenu, c'est la prise en main du back-office, la saisie des tarifs, un test, on va dire, avec les plateformes de paiement, etc. Tout ça, forcément, ramène du temps. Mais je crois que Lara peut le confirmer, mais mettre en ligne réellement un site Shopify, ça peut se faire en une heure. C'est vraiment tout est fait pour accompagner la mise en place technique de façon extrêmement rapide. Donc l'enjeu sur le temps qui s'ajoute sur un projet, c'est effectivement la prise en main, la formation, la mise en place du contenu, et puis effectivement le niveau de personnalisation qui est attendu par le client. Les offres d'accompagnement qu'on a construit avec la Caisse d'Épargne sont adaptées soit à des débutants qui ont besoin de peu de personnalisation, à éventuellement du sur-mesure, où là on a une charte graphique spécifique, un travail graphique, un volume de temps passé sur le projet beaucoup plus important. Donc c'est difficile aujourd'hui de répondre exactement sur une moyenne, mais en tout cas techniquement la phase de mise en place peut être assez rapide sur Shopify notamment. Marc, pourquoi le réseau des caisses d'épargne a-t-il souhaité proposer une telle offre packagée de développement des activités Internet à ses clients ? La première raison, je pense que les internautes l'ont bien compris, notre volonté, c'est d'accompagner nos clients. D'accompagner nos clients à faire plus de chiffre d'affaires. Donc soit ils avaient une volonté d'aller chercher de nouveaux clients
en s'appuyant soit sur leur force de leurs réseaux sociaux, soit en créant directement un site internet, et donc d'obtenir du référencement et de la vente derrière, ou tout simplement, c'était pour certains vital, ils n'avaient pas d'autre choix que pour garder une activité, de développer l'activité Click and Collect. Ça a été des choses qui ont été fortement appuyées finalement par le gouvernement, avec même des aides incitatives finalement. Donc notre volonté, elle était là, c'est être utile à nos commerçants au quotidien et les aider à faire plus de chiffre d'affaires. Alors on a voulu, ce que je disais, nous, un partenariat qui, pour nous, soit simple. Et c'est vrai qu'on avait, quand on a discuté avec les équipes de Trenta et Shopify, c'était un leitmotiv qui était, voilà, il faut que vous soyez dans l'accompagnement. Donc c'était notre leitmotiv, il faut accompagner nos clients du début à la fin, parce que certains vont être totalement débutants et n'auront pas mûri leur projet. Et c'est ce qu'il y a de plus long finalement dans la capacité à réfléchir à son projet, à savoir comment on veut le faire. Et souvent on se trompe la première fois, il faut des fois faire un, deux ou trois sites avant d'arriver au bon modèle. Donc c'était important pour nous d'avoir cette solution qui permette cet accompagnement. Le deuxième élément, c'est que quand vous êtes commerçant ou un commerçant de proximité, Internet, ça peut faire peur. Il fallait une solution qui soit simple. Simple à mettre. Et là, avec Shopify, on avait la réponse à cette simplicité et à cette capacité d'accompagner et de pouvoir aller chercher des solutions à tout moment. Donc c'était vraiment le deuxième maître mot. Le troisième, et là Xavier l'a dit tout à l'heure, c'était la personnalisation. Alors nous, on avait mis le mot flexibilité derrière. C'est comment on arrive à faire une offre qui soit flexible, où vous poussez vraiment, si le client évolue, eh bien, il faut qu'on puisse évoluer avec lui et qu'il puisse revenir vous voir pour réadapter et continuer à faire en sorte que le site, et finalement pour lui, le site c'est beau. Mais l'importance pour lui, comme dans n'importe quel magasin, c'est de mettre en valeur ses produits pour que les clients les achètent. Parce que vous pouvez avoir le plus beau des sites, la plus belle des boutiques, si l'internaute à la fin, il l'achète pas, vous ne faites pas un euro de chiffre d'affaires. Et donc, justement, pour arriver à cet euro de chiffre d'affaires, le quatrième mot, c'était la sécurité. Comment je fais pour, moi, commerçant, être sûr qu'il ne voit pas le client que je sois bien payé? Que quand il est dans mon magasin, il ne repart pas avec la marchandise, il n'a pas payé. Et si je ne me suis pas assuré que c'est payé. Alors que là, une fois qu'il m'a fait le virement par sa carte bancaire, j'ai envoyé mon produit par la poste, et si ça me revient à payer, mon produit est parti. Donc il fallait qu'on ait une solution qui soit sécurisée, et donc on s'est appuyé, nous, sur PayPlug, qui est un acteur qui vient sécuriser totalement la transaction bancaire du client qui achète. Et puis sécurité aussi dans le parcours. On sait très bien que sur Internet, dès qu'on a un nombre de clics trop important pour finaliser l'achat, eh bien, l'internaute s'en va. Et donc il fallait un site qui soit suffisamment sécurisé, qui permette que le parcours client soit fluide et qu'on arrive assez rapidement finalement à cette brique de paiement qui valide le fameux panier dans lequel l'internaute a pu faire. Donc voilà, quatre maîtres mots, accompagner, simplicité, flexibilité et sécurité. C'était vraiment ce qui nous a prévalu dans tous nos travaux sur les années 2019-2020 avec les équipes de Trenta. Et c'est ce qui au quotidien aujourd'hui est mis en avant dans les solutions. Et puis, faire cette offre, c'était bien beau, mais il fallait qu'on étudie aussi comment on répond à nos clients. Donc on a réfléchi à quatre offres packagées, de la plus simple et la moins chère, à 500 euros hors taxes. Donc ça, c'est vraiment l'autonomie, et on la donne à tout le monde. On ne voulait pas que l'argent soit une problématique d'accès pour avoir son site internet. Voilà. Et puis à la solution la plus sur mesure, qui va à des montants à partir de 13 000 euros. Mais j'ai envie de dire des choses que tout le monde peut se payer au final, soit parce qu'il a un peu de trésorerie, soit parce qu'on peut l'accompagner sur des financements spécialisés. Donc on a trois offres phares. Allez, je vais donner les prix. 500 euros pour l'offre initiale, 3 500 euros pour une offre où on commence à avoir de l'accompagnement un peu plus important dans l'évolution de son site, et puis l'optimal à 7 500 euros hors taxes. Voilà, donc trois prix pour accompagner n'importe quel type d'entreprise finalement dans son développement de ce nouveau canal de distribution. Et j'insiste bien sur ce mot « nouveau canal de distribution ». On n'est pas forcément à destination des pure players, qui auront finalement intégré toutes ces autonomies en interne. On est vraiment à destination de ces entreprises qui se disent « Eh bien, il n'y a pas de raison que les pure players viennent me prendre une partie de mon chiffre. Il faut que moi aussi je sois acteur. » Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, ça marche. Je vous ai donné derrière les chiffres de progression. Il faut savoir que les sites de proximité, les commerces de proximité, ont une croissance sur Internet trois fois plus importante sur l'année passée que les pure players. Voilà. Donc c'est des éléments qui sont intéressants, qu'il faut analyser. On pense que notre offre, en tout cas, elle y contribue. Et notre volonté, c'est de se dire, eh bien, si mon client, finalement, il fait plus de chiffre d'affaires, s'il gagne plus d'argent, c'est gagnant pour moi, parce que finalement, moi, ma résultante, ma rémunération, j'ai envie de dire quelque part en tant que banquier, c'est qu'il me ramène plus de chiffres sur mes comptes. Et donc j'ai voulu faire un partenariat, en tout cas c'est ce qu'on a voulu faire au niveau des caisses d'épargne, où si mon commerçant gagne, je vais gagner derrière.
il ne peut pas y avoir qu'un seul sens. Voilà, c'était ça notre finalité, notre volonté dans ce qu'on a fait avec Trenta et avec Shopify et en bout de ligne Payplug sur la solution de paiement. Ben merci beaucoup. Voilà, on a fini pour ce qui est de l'intervention, pour ce qui est de la présentation effectivement de cette offre. On va passer aux questions des internautes. Donc j'ai ma petite tablette où je peux lire les questions. J'ai une question, mais vous avez commencé à en parler un petit peu, Marc. Quel est l'intérêt des caisses d'épargne de proposer une telle offre? C'est vrai que après tout, un banquier c'est pas là pour créer des sites internet. Pour résumer. Le banquier, non, il n'est pas là pour créer un site internet. C'est pour ça qu'il s'appuie au final sur des partenaires et sur des compétences. Notre métier à nous, en tout cas les caisses d'épargne, on a été fondé pour aider les gens au départ. Et notre rôle, il est sociétal. C'est comment je fais en sorte pour que l'argent au sein de la société circule. C'est ce que j'appelle collecter l'argent et le reprêter. Ça, c'est notre modèle économique. Je lève l'épargne et je la reprête en crédit. On est fait pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que tout n'est pas lié qu'avec des financements et qu'on doit accompagner sur des solutions autres que simplement l'épargne et le crédit sur nos clientèles. Et donc, on met en place ce qu'on appelle des solutions dites extra-bancaires qui sont connexes à notre activité, mais qui permettent au final à nos clients, eux, de générer du chiffre d'affaires. Et le e-commerce, c'est typiquement ça. C'est je t'ai peut-être aidé à financer ton magasin, je t'ai aidé à acheter du matériel, mais il faut aussi que je t'aide à trouver des nouveaux canaux de distribution. Voilà. Donc eux ont la réflexion et nous on essaie d'apporter avec nos partenaires des solutions pour les accompagner dans la durée. Et c'est ma manière pour moi, en tout cas c'est notre slogan, c'est notre manière pour nous, Caisse d'Épargne, d'être utile à nos clients. D'accord. Alors là je me tourne plus vers Xavier, je pense que c'est une question, enfin c'est plus pour vous. Alors Marc en a un petit peu parlé, mais Xavier, combien coûte l'offre packagée? C'est les tarifs, effectivement, que je peux confirmer de Marc. Donc on a une offre vraiment de démarrage où le client est très autonome dans sa mise en place et dans sa personnalisation. Donc c'est une offre à 500 €. On a une offre à 3 500 où on a forcément plus de temps et plus de personnalisation. Et puis après, pour des commerçants matures, donc plutôt pour des refontes, on va partir sur 7 500 € avec souvent des variables qui vont venir du niveau de personnalisation aussi de modules. En fait, Shopify a un App Store, un peu comme sur votre iPhone, qui va permettre d'étendre les fonctionnalités de Shopify, que ce soit en front office, c'est-à-dire ce qui est visible, ou en back office, sur des fonctionnalités. Et du coup, là aussi, on va du coup faire varier les devis en fonction des complexités et des besoins du client. Donc ça répond bien effectivement au cahier des charges de flexibilité qui était demandé par la Caisse d'Épargne. Ok, merci beaucoup. Alors là, c'est une question plus à la fois pour Xavier et pour Lara. Il y a plusieurs internautes qui demandent en fait quels sont les bons conseils pour créer, pour lancer un site internet, un site d'e-commerce. Tu veux y aller? Je vais peut-être commencer sur cette question. J'aurais deux conseils. Le premier conseil, c'est peut-être de démystifier l'expérience client, parce qu'en fait on est tous clients nous au quotidien, et je pense que une bonne démarche probablement pour projeter qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à nos clients en termes de parcours, c'est de se projeter, en fait se mettre à leur place et se dire moi qu'est-ce que j'aime avoir les bonnes informations quand j'achète, j'aime acheter et être sûr que mon paiement va être sécurisé, j'aime être au courant du statut de ma commande, j'aime être relancé si il y a des nouveautés qui correspondent à ce que j'ai déjà acheté. Donc, vous voyez, donc, ce parcours, il est le même que pour vous en tant que client dans votre quotidien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon premier conseil. C'est vraiment de faire preuve d'empathie et puis de toujours tourner vers votre client pour aller recevoir ses retours et comprendre comment améliorer votre expérience. Deuxième conseil que j'aurais, c'est de cadencer vos investissements. En termes d'un point de vue technologique et en termes de briques de logistique ou de paiement ou de marketing que vous allez mettre en place.
Comme vous aviez l'a dit, Shopify propose un App Store avec 6000 applications. 6000 applications qui vont vous permettre de rajouter des fonctionnalités plus sophistiquées à votre site pour aller justement faire des campagnes d'emailing au bon moment pour vos clients, avoir une solution logistique sur un certain créneau de livraison, ce genre de choses plus avancées. Moi, mon conseil, c'est vraiment de prendre le temps d'abord de comprendre en fait comment votre e-commerce fonctionne, de voir les premiers retours en termes de canaux de vente qui fonctionnent pour vous, et à partir de là faire une bonne analyse comparative des solutions technologiques sur le marché avant de vous lancer. Et Shopify, au-delà de ces 6000 applications, propose souvent des solutions d'entrée de gamme sur ces briques. Je pense par exemple à notre solution Shopify Email qui va vous permettre d'envoyer des emails automatisés à vos clients. Bon, Shopify Email est une solution entrée de gamme. Notre recommandation, c'est commencer par Shopify Email, comprenez votre besoin et ensuite aller chercher sur l'App Store quelque chose de plus sophistiqué. Xavier, vous avez d'autres conseils à ajouter ? Je pense que c'est un conseil qui va dans le sens qu'expliquait Lara. Quand on débute ce nouveau canal de distribution, quand on a un commerçant de proximité, je pense que c'est important de garder les mêmes réflexes. Il faut se différencier peut-être des gros acteurs qui n'ont plus le temps de personnaliser le message, d'avoir des petites attentions avec ses clients. Je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de garder les mêmes réflexes. Dire bonjour, envoyer un petit SMS pour dire que le colis va partir. On peut le faire quand on a une dizaine de commandes par semaine. On peut prendre le temps même d'appeler un client en lui disant on est content, comment vous nous avez trouvé, l'interroger sur ce qu'il attend du site, est-ce qu'il a bien compris l'offre, tout ça. Je pense que c'est des choses qu'on fait quand on a quelqu'un qui pousse la porte de son magasin physique. Quand on débute sur ce nouveau canal, je pense qu'il faut garder les mêmes réflexes. Être commerçant, que ce soit du e-commerce ou du commerce, je pense qu'en fait, il faut avoir les mêmes réflexes. Une fois qu'on est très gros et qu'on n'a plus le temps de personnaliser le message à chaque client, on a un autre schéma. Mais dans un premier temps, il faut vraiment garder ses réflexes. C'est tout bête, mais mes clients qui ont démarré sur le e-commerce ajoutaient des bonbons dans chaque commande. Très rapidement, leur score de retour sur les avis clients du site ont explosé parce que ces petites attentions, finalement pas très chères à faire, sont très bien perçues par ces premiers clients. Et surtout, ça les différencie des grosses plateformes dont je ne donnerai pas les noms, mais que vous voyez qui commence par un A. Alors, sans parler des gros cybercommerçants, une question d'un internaute, je pense qui vous concerne directement, Lara. J'ai une page Facebook et un compte Instagram. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Alors, nous, chez Shopify, on est vraiment convaincus de la complémentarité des différents canaux de vente. Donc, évidemment, un site e-commerce et chaque canal de vente, donc les réseaux sociaux, le site en propre, et puis on pourra aussi parler par exemple des marketplaces, ont leur atout. Nous, on pense qu'il faut construire l'expérience client en fonction des attentes de votre client et de où votre client va passer du temps, va chercher l'information, de manière à coller à ses attentes. C'est pas la même chose d'aller développer un commerce qui va s'adresser à la génération, à la nouvelle génération, ou à des clients plus matures. Donc, le site e-commerce, l'intérêt, c'est que c'est une expérience que vous contrôlez à 100%. Vous pouvez avoir les données de vos clients en direct. Vous pouvez complètement être propriétaire de l'expérience de marque que vous proposez. Donc, c'est un atout. Après, voilà, un challenge, comme l'a dit Xavier, c'est que vous allez devoir développer du trafic vers ce site. L'intérêt du réseau social, c'est qu'aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux à chercher des informations. Donc, vos clients, très probablement, ils vont aller regarder quelle est la marque un peu sympa qui s'est lancée dans l'habillement, par exemple, s'ils cherchent une robe pour l'été. Et c'est via les réseaux sociaux qu'ils vont aller découvrir ces marques émergentes. Nous, on a fait, par exemple, Shopify, un rapport sur le futur des commerces. Et, par exemple, une statistique qui est intéressante, 56% de la jeune génération qui achète auprès de commerçants indépendants découvre ces marques sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très clair. Les réseaux sociaux, leur intérêt, c'est que les gens y passent du temps. Et c'est une manière pour vous d'atteindre votre cible de client.
Après, du coup, comme vous l'avez dit, je pense que la question qui se pose, c'est quel est le séquencement dans le développement des différents canaux de vente. On voit beaucoup de différentes trajectoires. Il y a des gens qui commencent avec un site e-commerce qui vont ensuite se lancer sur les réseaux sociaux. D'autres qui vont commencer sur les réseaux sociaux, développer leur communauté et ensuite capitaliser sur cette notoriété pour lancer un site e-commerce. Donc vous voyez, tout se fait, ça dépend vraiment de votre cible et de vos ressources. Alors, autre question, je pense qui vous intéresse à tous les deux, Lara et Xavier. Est-ce que l'offre me permet de mener des opérations de promotion et de fidélisation? Alors, moi, je vais peut-être répondre juste sur ce qui est offert en natif sur Shopify. Donc oui, Shopify propose des fonctionnalités de campagne promotionnelle de base, type solde, type opération réduction sur un temps donné. Donc il y a différents... il y a tout un espace, en fait, dans votre compte Shopify où vous pouvez aller configurer ces opérations promotionnelles. Pour ce qui est des campagnes marketing, j'en ai parlé précédemment, on a une solution de base qui s'appelle Shopify Email, qui va vous permettre de construire en fait ces échanges par email avec vos clients pour les accompagner dans leur parcours d'achat et, ou pour leur poster des nouveautés. Maintenant, je vais laisser peut-être Xavier expliquer qu'est-ce qu'on peut personnaliser là-dessus. Non, je confirme effectivement dans le fonctionnel de Shopify, il y a tout ce qu'il faut pour faire des campagnes de promotion. Et puis une fois de plus, ben, les extensions proposées par Shopify peuvent étendre ces différentes opérations, notamment autour de la fidélité, qui permet de générer des points ou des relances en fonction de montant, etc. Mais une fois encore, pour moi, c'est le conseil que donnait Lara est vrai. Partons pas tout de suite avec une grosse machine. Commençons avec l'existant sur Shopify. Et une fois qu'on est mature, une fois qu'on a vraiment le besoin, il y a tout ce qu'il faut pour accélérer, on va dire. Alors une question à la limite que j'ai envie de poser à vous trois et effectivement qui est un petit peu générique mais je pense qui est vraiment fondamental, c'est comment se faire connaître sur Internet, parce que c'est bien joli encore une fois d'avoir un site Internet, mais si personne y va, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je me tourne aussi vers Marc hein, d'ailleurs, parce que j'imagine que ça nécessite peut-être des investissements, peut-être que d'ailleurs peut-être qu'il y a l'offre, mais peut-être que il faut peut-être passer par des campagnes de pub sur Internet, enfin je ne sais pas. Justement, dites-moi comment se faire connaître sur Internet quand on est un commerçant en ligne. Moi, je peux répondre parce que c'est une partie aussi de l'activité de notre agence, hein, d'accompagner aussi sur du marketing digital. Par contre, une fois encore, attention au coût d'acquisition. C'est vraiment aujourd'hui un modèle qui est assez cher si vous voulez vraiment investir du AdWords ou du trafic payant. Donc là encore, commencer à convertir votre premier cercle, vos clients habituels, fidélisez-les, faites des promotions, effectivement, quand vous avez une boutique physique, imprimez un flyer et mettez-le dans le packaging. Tout ça sont des bonnes pratiques pour pouvoir monter en compétences et en chiffre d'affaires de façon régulière. Et une fois qu'on peut vraiment se permettre d'investir des achats, enfin de l'acquisition, notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a déjà franchi une première étape. Mais ça paraît difficile aujourd'hui d'investir tout de suite du budget marketing sans connaître réellement sa cible, ses clients et surtout ses compétiteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques. Donc dès qu'on va rentrer dans l'acquisition de trafic, on va être en compétition avec l'ensemble des compétiteurs, dont des très gros parfois. Vous voulez ajouter quelque chose, Lara, j'ai l'impression ? Non, moi, c'était juste pour ajouter le fait que je pense que la question, c'est comment se faire connaître, point, en fait. Comme on s'est dit, hein, on est dans une... le site e-commerce, c'est un des canaux de vente. Maintenant, la question, c'est comment construire sa marque, de manière générale. C'est ensuite là-dessus que les clients vont venir sur votre site Internet. Donc, il y a évidemment le marketing digital. Il y a la construction d'une communauté forte autour de votre marque qui peut passer par faire des événements, aller rencontrer vos clients, en fonction de votre modèle d'entreprise. Ça peut aussi passer à un moment donné par des canaux de vente B2B,
par exemple, aller trouver des revendeurs qui vont vous permettre d'aller augmenter votre zone de chalandise en plaçant vos produits de manière stratégique dans des emplacements où vous pensez que vos clients cibles passent du temps. Donc c'est vraiment, je dirais, un mix entre des choses qui sont payantes, des choses qui sont du bon sens pour aller animer votre communauté et des réflexions stratégiques, comme par exemple, est-ce que je vais vendre B2B, qui pour moi est une manière d'aller construire sa marque sur le long terme. Alors, il y a pas mal de questions sur le référencement. J'ai une question sur est-ce que Shopify peut s'occuper du référencement ? Et d'une manière générale, là, je pense que c'est pour vous deux, vos tarifs de marketing et de référencement seuls, quoi, j'allais dire. Est-ce que vous avez uniquement une offre de marketing digital et de référencement ? Alors c'est pareil, c'est une question qui est difficile à répondre précisément puisque je peux répondre quand même précisément sur la partie technique. En fait, Shopify est prêt pour référencer le contenu. Quand on parle de référencement, c'est quelque chose d'assez simple en vrai, c'est être présent dans un moteur de recherche. Ça ne veut pas dire être premier, ça veut dire être présent. Et ça, pour être présent, bien entendu, Shopify est 100% compatible avec les robots de Google. Donc quand Google arrive sur un site Shopify, il comprend le contenu. Ça veut dire aussi, une fois de plus, que le contenu est important et qu'il faut que le client puisse... enfin, le e-commerçant puisse travailler son contenu, ce qui prend du temps et qui est important. Mais Shopify est très visible et très lisible par Google. Donc être référencé, c'est pas un problème technique. Après, être positionné, ce qui est un autre enjeu. Là, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent, là aussi. Il faut se faire accompagner et on peut très vite aller sur des budgets si on part en référencement payant, en positionnement payant. En moyenne, les e-commerçants dépensent entre 1 000 et 10 000 euros par mois pour être visibles dans les différents canaux payants. Ah oui, donc c'est vraiment un investissement. Hein. C'était ce qu'on se disait. En fait, il faut avoir ça en tête aussi, Marc. Exactement. Quand on se lance sur Internet, il faut avoir conscience qu'on ouvre une deuxième boutique, quelque part. Donc il faut aussi investir personnellement ou dégager une ressource humaine pour le gérer. Parce que le référencement est fait par la qualité du contenu que vous allez mettre sur votre site. C'est important. Et puis derrière, il faut se dire, j'y investis quelque part de mon chiffre d'affaires, soit futur ou actuel, pour me permettre d'aller soit payer du référencement ou s'appuyer sur sa communauté. Donc nous, on dit, la communauté, c'est un premier élément et c'est une manière de comprendre son business avant d'aller mettre 1 000 ou 10 000 euros par mois sur des référencements. Parce que le B.A.B.A. pour n'importe quel commerce, c'est comprendre son business et comprendre sa clientèle et où est-ce qu'on la trouve. On ne la trouve pas de la même manière quand on est sur le net que quand il vient dans la rue pousser la porte de notre commerce. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est du temps, c'est de la maturité, c'est de la réflexion. On va se tromper et c'est clair, vous vous tromperez certains une fois, deux fois, trois fois, mais ce n'est pas grave, c'est la persévérance qui finit par trouver finalement le bon modèle et le créneau de développement. Donc il faut avoir ça en tête. Et après, on parle du référencement et après, bien évidemment, nos partenaires, ils vont vous accompagner pour mieux vous référencer indirectement sur votre capacité d'accélération. Voilà, c'est vraiment ces éléments-là qui sont importants à retenir. Je crois que ce qui est important aussi dans les critères de positionnement, l'historique du site est pris en compte. Donc, démarrer tôt, le plus vite possible, et ça vous permettra d'être visible avec le temps également. Ok, très bien. Il y a un internaute qui nous dit, vous avez fait référence à une offre de paiement sécurisée. Quelle est-elle ? Alors, l'offre de paiement sécurisée, en fait, on travaille, nous, avec notre filiale qui s'appelle Payplug, qui est une offre qui permet d'encaisser, finalement, sur Internet. Alors, sécurisée, c'est parce qu'on utilise des URL comme HTTPS, hein, c'est le fameux S de sécurité, et on utilise après toute la technologie de sécurité du paiement par carte bancaire. De la même manière qu'on l'utilise quand vous êtes physiquement chez un commerçant, on va utiliser les mêmes technologies de sécurité derrière pour garantir aux commerçants que le paiement qu'il a obtenu, il sera honoré. Voilà. Donc c'est ça la technique de sécurité qu'on met derrière. Et par rapport à la fraude, de la même manière, on utilise toutes les dispositions actuelles qu'on peut connaître quand on se déplace dans un commerçant physique. De la même manière, on va l'utiliser sur le net. D'accord. J'ai une question, Lara, sur j'ai un site internet, est-ce que je peux le migrer sur Shopify ? Alors oui, vous pouvez le migrer sur Shopify. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de e-commerçants que voit Xavier sont dans votre cas, hein, c'est-à-dire dans cette logique de migration.
Ma recommandation dans ce processus, ce serait de comprendre, déjà de voir comment vous allez récupérer vos données pour les migrer vers Shopify et quel est le bon calendrier pour faire cette migration, éviter les périodes chargées de vente, peut-être privilégier les moments plus calmes où vous allez pouvoir prendre le temps de faire cette bascule. Et puis après, évidemment, il y a un travail de compréhension de technologique à faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est disponible en natif dans une solution qui ne l'est pas chez Shopify, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour les suppléer, qu'est-ce que Shopify a que n'avait pas ma solution. Et donc voilà, donc là c'est vraiment un travail de cahier des charges qu'une agence comme celle de Xavier va pouvoir faire avec vous pour vous accompagner dans cet exercice. Merci beaucoup Lara, merci beaucoup à vous trois, merci Marc, merci Xavier, et je passe la parole à Olivier. On a respecté le temps, Olivier. Félicitations Jean-Philippe, parfait maître de cérémonie. On retient donc ce chiffre très intéressant, plus 12% de création de sites internet. C'est une réelle prise de conscience des entrepreneurs qui veulent basculer dans le commerce en ligne. Merci de nous avoir présenté donc cette solution packagée Easy Commerce et ses différents étapes. On a retenu une première étape, identification du besoin des clients par les conseillers de la caisse d'épargne, puis mise en relation avec vos partenaires experts Trentax Home et Shopify pour trois concrétiser donc ce projet avec donc ce service que vous avez voulu, un service d'accompagnement simple pour créer donc un nouveau canal de vente, vous l'avez dit, une deuxième boutique. On continue à parler dans quelques instants création de sites de e-commerce, mais cette fois-ci pour s'intéresser à 11h aux aspects marketing, juridique, comptable et aussi fiscaux. À tout de suite, merci.